D'accord, et Yacht Mec. Et à côté, c'est tout. Maman-fille. Maman-fille, ouais, c'est bon. Alors aujourd'hui, nous présentons... Le test de Pizza et Furnia. Bazar, bizarre. Pizza et Furnia. Alors, on ouvre la boîte. On ralentit pour faire du respect. Bon, classique, hein, la règle du jeu. Merci, je l'ai vu. Voilà, avec les variantes au dos pour les plus avancés. Attends, mon carte. Oui, alors on retrouve... Cochon. Cochon. Cochon Kiri, oui, je sais pas pourquoi. La grenouille. Cochon Kiri. Le poussin Kiri. Et le fantôme Kiri. Fantôme Kiri. Ah ben non, le fantôme... Oups. Et le fantôme. Les gros pions. Play. Les gros pions en bois. Donc chez Gigamic, il y a aussi la version bazar bizarre classique, avec aussi des pions en bois, mais un peu plus petits. Ah oui. C'est vrai qu'en général, la qualité des jeux chez Gigamic est bien. L'autre fiche carte. Les cartes. Hop. Allez, zou. Mais... Oui. Oui. Le Wi-Fi, maman. Ah, vas-y, montre les cartes. Tu peux étaler. Étale là devant. Dans l'autre sens, sinon on va pas voir grand chose. Voilà. Donc sur les cartes, on retrouve le fantôme, le poussin jaune, le cochon rose et la grenouille. Non. Et sauf que là, c'est bon. Donc sur certaines cartes, tout est de la bonne couleur. Le cochon est rose, le poussin est jaune, le fantôme est blanc. Nickel. Par contre, sur d'autres cartes, il y en a qui ne sont pas de la bonne couleur. Là, le poussin est blanc et le fantôme est jaune. Par contre, la grenouille, elle est bien verte. Et le jeu, c'est quand on montre les cartes, de retrouver celui qui est de la bonne couleur et de l'attraper. Celui qui attrape... Alors, il peut y avoir un, deux ou trois animaux qui sont de la bonne couleur, si on considère que le fantôme est un animal. Personnage, dirons-nous. Et donc, il faut en attraper autant de pions qu'il y a de personnages de la bonne couleur. Et à la fin du jeu, bah, c'est simple, hein, on compte combien de cartes on a. Paris, les hommes, de fantômes mangent du blé. Les fantômes mangent du blé. Hier, tu m'as dit le fantôme mange du foin. T'as changé d'avis ? Oui. Oui ? Allez, on commence. Comment ? Tu mets les, ah les oui. personnages ? Hop. Kiri. Piu-piu Kiri. Piu-piu Kiri. Piu-piu petit poussin. Donc voilà, on mélange, on pose ici. Et le dernier qui a donné... à manger un animal, retourne la carte. Voilà. La grenouille est la seule de la bonne couleur. Elliot a attrapé la grenouille, il gagne la carte. Tu remets la grenouille, Elliot ? Oui. À moi. 1, 2, 3. Cochon. Donc là, on gagne 3 cartes. Alors, Elliot avait le cochon, il gagne une carte. Moi, j'avais le poussin et le fantôme, je gagne 2 cartes. À toi, Elliot, vas-y. Dans l'autre sens. Le fantôme. Et la... Ah, on a perdu. C'est un cochon. C'est vrai que la forme des animaux est assez ressemblante. Tu gagnes la carte, Elliot. Yeah. On va mettre à l'envers pour que on voit bien sur la vidéo. C'est à qui de retourner, c'est à moi ? C'était déjà comme ça? Oui, c'est Liliette qui l'a retourné. 2, 3. Poussin! À toi. Donc tu gagnes 2 cartes.
Tu devrais poser sur le côté, Eliott. C'était plus libre de prendre. C'est qui de tourner ? Toi. Moi. Ça. Fantôme. Bah oui, par cochon. À toi. Cochon. Et c'est tout. Gagné. Le fantôme. Fantôme. Faut que je me recule parce que je suis plus près que toi. On n'est pas à égalité. Vas-y. Tu veux te mettre debout ? Ok. Yep. Allez, vas-y, tourne. Non, non, c'est à toi. Ah non ? Le cochon ! Et le fantôme. On guérit. Cochon, fantôme. Et grenouille. Non. Si. Ah oui, le cromongiri. Cromongiri. Grenouille. Et voilà ce que c'est de vouloir se faire beau. À toi. Le fantôme. Cochon, où tu vois un fantôme blanc, toi? Grenouille. Fantôme. Ah non, c'est un poussin. Ah, tu vois, les formes sont trompeuses. Tu crois que ça en vaut la peine? Oui. Se tuer pour le jeu. Oui, n'a pas de faux. C'est pour le faux, hein, d'accord. À toi le jeu. Fantôme poussin. Cochon. 3. 1, 2, 3. Le fantôme, le poussin. Et la grenouille. Le poussin, fantôme, poudon, guéri. Deux pour toi, un pour moi. Grenouille. Ça va, Dan? C'est pas trop difficile de jouer en tenant le téléphone? À toi. Partons. Le cochon. Une carte pour Dan. C'est à qui? À moi. Le cochon. Poussin. Alors, qui c'est qui a réussi? Ouais, c'est un poussin. Un poussin, un cochon. Le poussin poussin. Je sens que ça peut très vite dégénérer en fait ce jeu. Cochon. Non, non. On trouve combien toi? Deux. À toi. Eliott. Le poussin. Ouais, le poussin. Kiri. Moi. Fantôme. Bien, il en profite que je monte bien la tour. Le chronon. C'est moi qui la main en dessous. C'est moi qui tiens. Là, tiens. Le poussin. Le poussin, la grenouille. Ah non, ça va retourner de cartes. Et en plus, je crois pas qu'il y ait des cartes où il y en ait 4 dessus. Ils sont que 3. Mais j'en ai au moins un. J'ai au moins celui qui est beau. Ouais, bah après, on jouera avec les pénalités. Le grand mot. Poussin. Deux poussins, pipi. 1, 2, 3. Poussin, fantôme.
Et le fantôme. Cochon, fantôme. À moi. Le renom. J'avais le temps de voir. Fayette. Fantôme. Le couteau. Attends. Clique. Le bonjour madame. C'est ça, le bonjour madame. 1, 2, 3. La grenouille. Ouais, la grenouille, le fantôme et le cochon. Kiri. Comment tu fais fantôme en macaton? Non, ça c'est le cochon ça. Et le fantôme, tu fais comment? Ah bon, il y a rien de spécial? Ah oui. C'est étonnant ça. Bon, oh. 1, 2, 2. Je crois qu'on va changer. 1, 2, 3. Il y a rien à gagner. C'est le cochon rose. À toi, Yvette. Mince, c'est pas la grenouille que j'ai eue. Non. Alors, 2 pour moi, c'est fini, on compte. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ma gagnée. D'accord, tu sais pas combien on a, mais t'as gagné. Oui. Alors moi, j'ai 24. 24. Moi, j'en ai 80 divisé par 10. 9. 8. Bah oui, ça fait 90 quand tu dis... Alors, autrement, on va faire les variantes avec une pénalité quand on a pris une mauvaise pioche. Donc, on remet la carte dedans. Alors, hein, si un joueur s'est trompé et attrapé par erreur un personnage qui n'apparaissait pas dans la bonne couleur ou qui n'apparaissait pas du tout, il ne gagne aucune carte en récompense, même s'il avait aussi attrapé un personnage correct. Et si la personne n'a pas fait une bonne prise, il faut alors remettre simplement la carte dans la pioche et la mélanger à nouveau. Et autrement, deux variantes quand on connaît déjà bien le jeu. Une variante fantôme noir. Pour se détendre après le dur travail au champ, le fantôme aime faire des acrobaties dans les airs. Son tour préféré consiste à rentrer dans une cheminée pour ressortir noir dessus à l'autre bout. Mais alors, plus aucun ami n'a envie de le toucher. Pouah ! Cette variante reste identique à une exception près. Si une carte avec un fantôme noir apparaît, il ne faut rien attraper. Même pas un personnage qui serait de la bonne couleur. Chaque joueur qui n'attrape rien gagne alors une carte en récompense. Et ensuite, deuxième variante, la variante carte de pénalité. Dans cette règle avancée, un joueur prend une carte précédemment gagnée à chaque fois qu'il se trompe. Non, pas prend, perd. Perd une carte précédemment gagnée à chaque fois qu'il se trompe. Si un joueur attrape un mauvais personnage ou s'il attrape un personnage alors qu'il y avait un fantôme noir sur la carte, il est pénalisé. Non seulement il ne gagne aucune carte en récompense, mais en plus, il perd une carte par mauvais personnage attrapé. Au cas où ce joueur n'aurait pas ou plus de cartes, il se passe rien. Les cartes de pénalité sont remélangées dans la pioche. Voilà, c'est ce qu'on pourrait faire... Je pense dans les prochaines parties, parce que maintenant on commence à bien savoir jouer. On pourrait commencer avec une variante. Il est l'heure de se dire au revoir. Comment on fait ? Au revoir les amis. Le clic et like, un clic, abonnez-vous. Le aussi un commentaire. Voilà. Alors en articulant, ça veut dire mettez un clic, mettez un like, postez un commentaire et au revoir, c'est ça? Une cloche aussi. Et une cloche aussi. Au revoir. Patate.